Première chose, participation pas mal. On avait 51 étudiants au partiel sur 59 inscrits, sachant qu'il y en avait qui étaient déjà dispensés de contrôle continu, soit parce qu'ils sont confinés loin, et puis on avait reçu des informations là-dessus. Donc en fait, on a un taux de participation qui est assez élevé. Et au jour d'aujourd'hui, on a 34 copies corrigées, ce qui correspond aux deux tiers des copies. Et donc, sans diffuser les notes, on peut déjà vous donner une distribution de la notation de ces copies. Et vous voyez que c'est relativement large. Donc, on a un taux de réussite, hein, c'est les gens qui sont avec 10 et plus, qui est de l'ordre, enfin, un petit peu inférieur à 50%. Et puis, hélas, on a un petit peu plus de 50% d'étudiants qui ont des notes pas terribles, y compris là ici une note vraiment vraiment mauvaise. Alors j'insiste sur le fait que si vous êtes là c'est très bien. Si vous êtes là vous n'êtes pas encore tiré d'affaire. Si vous êtes là vous avez bien compris, continuez sur cette voie-là. Si vous êtes ici il y a possibilité de travailler. Je vous rappelle que on a donné un coefficient faible au partiel, de manière à ce que le fait que vous ayez raté le partiel ne soit pas létal. Si on vous met 50% partiel, 50% examen, c'est délicat d'attraper un 5. Par contre, si on met 30% partiel, 70% examen, ce que nous faisons cette année, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, même si vous pêlez un 4 ou un 5, eh bien, effectivement, une note meilleure à l'examen est jouable. Et encore une fois, ne prenez pas l'examen partiel simplement pour une note, prenez-le aussi comme un moyen d'évaluer dans le cadre de cet enseignement ce que vous valez en tête-à-tête avec une copie. Et ça veut probablement dire eh ben, que peut-être vous avez soit pas travaillé assez, soit pas travaillé comme il faut, soit vous avez raté quelque chose. Enfin, il faut que vous vous posiez la question de pourquoi vous avez raté l'examen, de manière, bien évidemment, hein, c'est celui qui va compter, c'est l'examen final. Voilà. Donc, nous, c'est ça qui préoccupe. C'est pour ça qu'on était content de pouvoir maintenir un partiel, parce que ça nous donne une vision de la promotion, surtout une année où on n'a aucune vision sur. On vous connaît vraiment pas, puisqu'on vous a pas eu en TD, on vous a pas vu quotidiennement. Évidemment, vous êtes une génération no question. Donc du coup, on a énormément de mal à savoir où vous en êtes. Alors qu'en général, quand on arrive à cette période-là de l'année, eh bien l'équipe pédagogique a une idée du niveau global moyen de la promo. Alors pour vous situer le niveau moyen de la promotion par rapport au taux de réussite des années passées, vous pouvez regarder, on est à peu près au même niveau. Ce qui, compte tenu des conditions déplorables d'enseignement auxquelles on a été confronté ce semestre, est tout à votre honneur. C'est-à-dire que malgré des conditions déplorables, eh bien, vous avez quand même pris les choses en main et on arrive à avoir ici, eh bien, des résultats qui sont pas extraordinaires, mais tout à fait convenables et grosso modo à peu près au niveau de ce qu'on a tous les ans. En général, on a un peu plus de 50% de réussite. Là, on a un peu moins, mais il manque encore un tiers des copies. Donc, les choses, elles peuvent encore changer. Alors, cela dit, le sujet était tranquille. Alors, tranquille ne veut pas dire facile. Encore une fois, on a du mal à évaluer le niveau de la promotion. On n'a pas ce feeling qu'on a quand on est en contact des étudiants. Mais du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a posé des questions qui correspondent bien à ce que vous avez vu en TD et en TME. Et par conséquent, il n'y avait pas de surprise. Et l'idée était de faire en sorte que les étudiants qui avaient bien compris leur TD, leur TME, qui avaient bien travaillé, bien préparé leur TD, leur TME, eh bien, a priori, devaient être tranquilles. D'où la terminologie de sujet tranquille. Donc, pas de grosses difficultés, donc pas un examen facile, pas un examen difficile, un examen tranquille. Et donc, voilà. Une promo qui se cherche encore, mais pour lequel ben on a l'espoir. Vous avez encore les vacances d'hiver, vous avez toute une série de, vous avez le temps de rattraper éventuellement des résultats qui se situeraient dans la frange inférieure de ce qu'on peut attendre pour obtenir l'examen.
Alors, on a copié copié, donc alors c'est des copies qui ne sont pas de cette année, parce que là c'est du collector de chez collector, mais bon, vous voyez qu'ici, nous avons une copie très agréable à regarder, nous avons une autre copie très agréable à regarder. Ça c'est un phénomène général, on préfère ce genre de copie. Vous voyez qu'on trouvera plus facilement, ou en tout cas, on aura plus envie de chercher les points dans une copie comme celle-là que dans une copie comme ces deux-là. Et je pense que vous comprenez largement pourquoi. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre le chrono. Et je vais, désespérant, je vais vous montrer comment on peut avoir, en un mine de temps, un max de points. Voilà, donc intéressons-nous à l'examen et au sujet en lui-même. Premier exercice, alors l'exercice 1, c'était vraiment des questions quasiment de cours ultra faciles, c'était du cadeau bonus. Donc, on a une classe truc qui dispose d'une variable booléenne dispo, et puis on a une méthode attente dispo avec deux implémentations possibles. L'implémentation de gauche s'appuyant sur un wait et l'implémentation de droite s'appuyant sur un slip. Et on vous demandait d'expliquer précisément les différences entre ces deux implémentations. Alors, est-ce que quelqu'un parmi les étudiants qui ont accepté de se réveiller ce matin a une idée? Le wait Allez-y. relâche le verrou et le slip ne relâche pas le verrou. Alors, ça c'est une première chose qui est très importante. Il y a plusieurs choses à voir. Et effectivement, là, vous signalez un élément très important. C'est que à droite, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas pourquoi? Parce que vous avez un slip qui, comme vous l'avez signalé, est une méthode de la classe thread et pas une méthode, enfin, wait est aussi d'ailleurs, en fait. C'est une méthode qui ne relâche pas le verrou, qui ne manipule pas les éléments du moniteur. Or, ici, on a un synchronized. C'est-à-dire que le synchronized fait qu'on ne peut rentrer dans la méthode que si le verrou intrinsèque est relâché. Là, on est endormi à intervalles réguliers dans le slip. Et effectivement, comme on ne relâche pas le verrou, personne d'autre ne va pouvoir rentrer. On peut supposer qu'il y a une autre méthode synchronisée qui va modifier dispo. Sinon, ça aurait vraiment pas d'intérêt si on modifiait dispo sans que dispo soit synchronisé, parce que dans ce cas, il y aurait des problèmes de conflit lecture-écriture sur la variable dispo, et ça ne marcherait pas. Et donc, par conséquent, ça, c'était un bon élément, un élément de la réponse qu'on a beaucoup, enfin, qui était important, c'est la solution de droite ne marche pas. Alors, il y a d'autres différences entre la solution de gauche et la solution de droite. Personne n'a d'idée? Je ne sais pas ce que vous mettez dans votre café le matin, mais manifestement, ce n'est pas assez. Alors, l'autre chose, alors ici à gauche, on a ce qu'on appelle une attente passive. OK. Et ce qu'on a ici, c'est une attente qu'on qualifie de semi-active. C'est une attente semi-active qui ne marche pas, mais elle est quand même semi-active. Donc, ça, c'est aussi des choses que vous pouviez éventuellement signaler. Voilà. C'était les deux éléments principaux qu'on attendait au niveau de cette question-là. Alors, je n'ose, enfin, je ne résiste pas, excusez-moi, à la tentation de vous montrer un collator. Donc, qui dit que la différence entre l'implémentation et que le wait va mettre en attente le processus appelé la première méthode en espérant recevoir un signal pour le réveiller, tandis que l'autre méthode va endormir le thread pendant 10 millisecondes, elle va donc reprendre la main à un certain moment. Alors en fait, ce que dit cet étudiant n'est pas faux, mais n'est pas intéressant non plus. Puisque effectivement, l'élément important, c'est qu'à gauche, on a un mécanisme dont on peut espérer qu'il va fonctionner, tandis qu'à droite, on ne l'a pas, à cause de ce foutu synchronized. Question suivante.
Donc, on va considérer le programme ci-dessous, dans lequel on a deux threads TH1 et TH2 qui sont synchronisés au moyen d'un objet partagé synchro. Je me permets une remarque. Je pense que personne n'a été choqué. En tout cas, on n'a pas eu de question dans l'amphi sur cette notation. Vous voyez que j'ai fait new thread et entre parenthèses, je mets le code de la thread. Alors ça s'appelle une thread anonyme. En gros, je ne vais pas pouvoir faire d'autres instanciations de cette thread puisque le code, il est passé ici en ligne. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert? Dans toute une série de modes de programmation, en particulier, vous découvrirez ça plus tard, ce fait de la programmation sous iOS ou sous Android, eh bien, quand on positionne ce qu'on appelle des handlers, c'est-à-dire en fait des traitements qui sont appelés sur événements, eh bien, on a souvent recours à cette technique. C'est pas la peine de créer une thread nommée et puis de dire que on associe à ce handler la thread nommée machin. Quand on a vraiment besoin d'un traitement ponctuel et local, eh bien, on utilise cette notation. Donc ici, c'était des threads anonymes. L'idée était de tout mettre sur un listing en alourdissant le moins possible l'écriture. Voilà. Alors maintenant, on vous demandait quels étaient les affichages possible. Est-ce que vous avez une idée des affichages qui étaient possibles en fonction des différents types d'exécution pour ce programme-là? J'en désigne un au hasard qui me fait une proposition de réponse. Mélissa, par exemple. Vous vous êtes endormi? Je peux essayer, sinon. Bon, Juliane, il s'est endormi aussi? Non, moi ça va, c'est bon, je suis réveillé. Ok, alors, qu'est-ce que vous suggérez comme exécution? Alors, je suggère que d'abord, on aurait le thread 1 qui serait élu. On aurait du coup un affichage de A. Ensuite, après, il tombe sur le wait. Commutation au thread 2. Il affiche C, il en profite pour attraper le moniteur synchro, il exécute le notify, il affiche D, il termine son exécution, on revient sur le thread 1 et il affiche B. D'accord, ok. Donc ça, il y en a une première, très bien. Est-ce que vous en voyez d'autres? Je propose un autre, c'est CADB. CADB. Et est-ce que vous en voyez d'autres? Et un autre, CDA, et puis le programme se bloque. Et oui. Ça n'affiche pas. Alors, on va regarder And the winner is. Eh bien, on a bien ACDB, comme vous l'aviez proposé. On a bien CDA qui se bloque et CADB. Vous avez bien évidemment compris la mécanique. Donc, déjà, une chose est sûre, une fois que j'ai affiché A, si le thread 1 part en premier, je ne peux jamais afficher B avant C ou CD. D'accord, pour les raisons que vous avez évoquées, à cause du système de synchro. Si je démarre C, soit A passe avant le D, et dans ce cas-là, je peux avoir C, A, B, et je termine par D, soit effectivement le D passe avant, et ça veut dire que le notify est passé avant qu'on ait fait le wait. Et donc, comme vous l'avez dit, que le notify est perdu, et que par conséquent, on a un blocage. Donc, je pense que tous les deux, vous avez obtenu un max de points sur cette question. Bravo. Alors, ben, vous voyez, c'était une petite mise en bouche. Donc là, il y avait quand même 4,5 points qui coûtaient pas cher. Hein. Mon chrono me dit 7 minutes 35. Et on a perdu du temps. Donc, ce temps à discuter, etc. Donc, ça veut dire que probablement, on peut espérer que vous ayez allez, une dizaine de minutes, un petit quart d'heure, et vous avez déjà un quart d'écoute. Alors là, on a maintenant, dans l'exercice 2, l'idée c'était de jouer avec la réalisation d'un parcours parallèle d'un arbre binaire complet. Alors, vous savez que un parcours, c'est, vous connaissez les parcours préfixes, en fait la numérotation à gauche du point, c'est la numérotation des nœuds dans un parcours préfixe, 1, 2, 3, et c'est, c'est préfixe, d'accord, puis après je passe, etc., puis je viens ici, et puis à droite, on a les étiquettes. Qui font les sommes. Donc, on est un arbre binaire complet. Donc, on va simplifier la chose. Un arbre binaire complet, c'est un arbre pour lequel vous êtes sûr que
Soit un nœud a deux fils, soit il n'en a pas. Donc, ce n'était pas la peine de tester l'existence du fils gauche, fils droit. On n'a pas compté ça faux, mais vous compliquez la vie. Mais encore une fois, ce n'est pas très, très compliqué. Chaque nœud porte une étiquette valeur. Et puis, dans cette figure-là, ben, si je fais la somme, 9 plus 8 plus 0 plus tout ça, etc., ben, ça fait 90. Tout simplement. Alors, l'idée, c'est qu'évidemment, on est dans un cours de programmation concurrente, donc on ne va pas parcourir l'arbre bêtement de façon séquentielle, on va le parcourir de façon parallèle. Alors pour réaliser ce programme, on peut utiliser une mini classe qui s'appelle un nœud et on vous donnait un listing partiel. C'est-à-dire qu'on vous donne en fait quelques attributs, quelques méthodes. Tiens, il y a un problème d'alignement ici. Et l'idée, c'est bien évidemment, on va vous demander de créer les autres. Voilà. Alors, évidemment, la première question ici, je l'ai prise en corrigé, enfin, dans le source qui a été rédigé. Et du coup, effectivement, il y a hélas la réponse à la première question, mais c'est pas grave. Alors, nous disposons aussi d'une classe principale chargée de lancer le calcul dont le code est donné ci-dessus. Donc ça, c'est une classe principale, c'est assez classique. Donc vous voyez ici, alors elle n'est pas forcément complète, hein. Donc ça c'est la gestion du paramètre qui va en fait on va donner la profondeur et puis on crée un nœud racine, on crée une thread dans laquelle on passe le nœud racine et on démarre cette thread. Alors première question, c'est la classe un nœud doit-elle implémenter l'interface runnable? Bon alors on va lever le suspense, la réponse est oui, vous avez vu dans le code. Par contre, ce qui est intéressant, ce n'est pas que vous répondiez oui ou non, c'est que vous soyez capable de justifier votre réponse. Et est-ce que quelqu'un, par exemple Iléna, serait capable de me dire pourquoi? Iréna s'est rendormie aussi. Donc quelqu'un d'autre? On voyait dans le code du main que un nœud racine était en paramètre de la création du thread. Absolument, absolument. Ben, je pense que ben, vous avez vu, vous avez compris le problème. Hein. C'est qu'effectivement, à partir du moment où vous passez en paramètre d'une thread une classe, la classe doit être runnable. Donc, vous avez gagné le point associé à cette question. Voilà. Est-ce que j'ai un petit collector? Oui, j'ai un petit collector. Non, un synchronize sur le constructeur. Excusez-moi, pouf, pouf. Ah non, je me suis trompé. Ça fait... Oh là là, c'est un collector sur la question 2. On va revenir plus tard sur le collector sur cette question. Alors, exercice 2, question 2. Un jeune Padawan désireux de valider l'UE propose un code suivant pour le constructeur de la classe en E. Et il propose ce code-là. Donc, un code archi classique. D'accord? Et vous sentez que ici on a bon on a un petit affichage et puis on a un système de création de nœuds uniques. Alors la question que vous avez posée c'est est-ce que cette solution permet de construire un arbre dont tous les nœuds ont des identifiants différents? Que lui conseilleriez-vous pour garantir une construction correcte en toutes circonstances? Ma réponse est non, parce qu'on peut avoir plusieurs threads qui créent plusieurs instances de cette classe simultanément. Et donc, il faut protéger la ligne CPT++ parce qu'il n'est pas atomique. Alors, alors, vous dites que vous protégez juste cette ligne-là, vous, c'est ça? C'est une raison pour Alors, protéger. on va revoir là. La première partie de la réponse, je souscris exactement à ce que vous dites. Alors, en fait, il y avait plusieurs façons de le dire. La réponse est dit oui, parce que dans le programme principal, les nœuds sont créés séquentiellement. Donc, effectivement. Dans les situations d'appel du programme, c'est vrai, mais dans le cas général, non, parce que si on a plusieurs threads qui construisent l'arbre en même temps, eh bien, on va avoir des problèmes. Ou qui construisent d'autres arbres en même temps, pardon, on va avoir des problèmes. Après, vous avez dit que le danger, c'est CPT++, parce que CPT++, effectivement, est statique, et là, je vous suis totalement.
Et par contre, vous me dites qu'il faut protéger la ligne CPT++. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que ce qu'il faut protéger, c'est ces deux lignes-là. Parce que vous avez impérativement besoin que le CPT ici ne soit pas modifié. En fait, le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir... Vous voulez que s'il y a une commutation entre la instruction ident égale guillemets plus CPT et le CPT++, ne permette pas à un autre thread d'insérer une exécution où il exécuterait la première, par exemple, ou même la deuxième, ce qui ferait que vous sauteriez des incrémentations de CPT, ou que vous risqueriez d'avoir deux deux avec le même label. Donc, vous voyez, c'est délicat, parce qu'effectivement, c'est ces deux lignes-là qu'il faut protéger. Et effectivement, là, par contre, je vous rejoins, vous qui m'avez répondu à la question, sur le fait que, évidemment, il faut mettre un synchronize. Alors après, vous pouvez dérouler. Ben, en fait, il faudrait une variable O de type object sur lequel on fait un synchronize. Cette variable O de type object, est-ce qu'il y a une précaution à prendre dessus? Non, personne? Si, je crois qu'il faut qu'elle soit finale pour pas qu'à chaque fois que la classe est instanciée, elle soit recréée ou qu'il y ait des risques d'écrasement ou de duplication. Alors, le final n'est pas suffisant. Il faut qu'elle soit statique. Statique, final, voilà. Object. Alors, ouais. Le plus important, c'est statique. Le final, ça ne coûte rien. Mais si elle est statique et créée la première fois, en gros, elle ne sera pas recréée ensuite. Hein. C'est comme le CPT. Le CPT, il est statique. Vous l'avez initialisé à zéro, mais la création d'une nouvelle occurrence ne va pas remettre la variable à zéro. Okay? Parce que, en fait, le mot statique fait que c'est une variable de classe par rapport à une variable d'instance. D'accord? Voilà. Donc, effectivement, vous avez, communément, vous avez évidemment de bons réflexes. Donc, il y avait toutes ces précautions-là qui étaient à prendre. On va voir ce que dit le corrigé. Voilà. Et ben, il dit exactement ce qu'on a dit. Donc, vous voyez, les mots qu'on a évoqués, la variable statique, bloc synchronisé, dans le constructeur, évidemment, ramené aux deux instructions, et puis le côté séquentiellement qui marche, mais qui ne marche que quand c'est séquentiel, etc., etc. Donc là, je vois collectivement, ça sent bien, on a eu un certain nombre de points. Alors, c'est là que, excusez-moi, je reviens sur mon collecteur. D'accord. Là, ici, il y a quelqu'un qui a proposé de mettre un synchronize sur le constructeur. Alors ça, ça marche pas. Alors, j'aimerais bien qu'on raisonne un petit peu ensemble. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ça ne marche pas, un synchronize sur un constructeur, et pourquoi on ne peut pas mettre de synchronize sur un constructeur? Personne n'a envie de se lancer? Ah, moi, j'ai peut-être une proposition. Je sais pas si c'est bon. C'est que je me dis que, vu qu'on exécute le constructeur pour faire une nouvelle instance, si chacun synchronise juste sur son instance, ça ne bloque pas l'accès concurrent à CPT. Et en fait, je ne sais même pas ce qui se passe, on essaie de synchroniser sur un objet qu'on n'a pas encore ni créé. En fait. Alors, vous avez deux hypothèses. La première hypothèse n'est pas forcément la meilleure. La deuxième, elle est vraiment meilleure. Alors, on va raisonner. Quand vous mettez synchronise sur une méthode, il y a une autre écriture qui est équivalente. C'est de faire un synchronize sur this après l'accolade ouvrante et de fermer le synchronize avant l'accolade fermante. Et vous doutez bien que si je fais un synchronize sur this dans un constructeur où this n'est pas créé, enfin il n'est pas encore terminé, c'est un peu bizarre. Et donc effectivement, vous avez remarqué qu'on peut mettre un synchronize dans le constructeur, et en particulier c'est l'objet de ce qu'on fait dans la question 2. On met un synchronize sur le constructeur, mais on met un synchronize sur une variable, et ici, c'est même pire, c'est une variable de classe. Donc, lorsqu'on exécute un constructeur d'une instance, dans l'élaboration de l'objet, les attributs de classe, donc les attributs associés à la classe, ont déjà été créés. Donc, c'est dans la phase d'élaboration, c'est quelque chose qui est créé de façon prioritaire. Donc, on est sûr qu'eux, ils existent. Donc, effectivement, là, vous avez saisi la bonne raison, c'est que
Le constructeur, eh ben, c'est une méthode quand même très particulière au cours de laquelle ZIS, il n'est pas encore opérationnel, il le sera à la fin de l'exécution du constructeur. Donc c'est pour ça que la réponse concernant l'idée de mettre un synchronize sur un nœud, eh ben, je suis désolé à cet étudiant-là, elle lui vaut 0 point. OK? Donc je pense que vous allez tous saisir cette idée. Là aussi, il s'agit de raisonner. Hein, c'est pas lié à la concurrence, là c'est lié avant tout à l'expression des langages objets. Alors, maintenant regardons l'exercice 2, toujours la question 3 maintenant. Alors ici on s'intéresse en premier temps à la construction de l'arbre. Donc on dit que chaque nœud crée ses deux fils à une profondeur inférieure de 1 à sa propre profondeur. La valeur stockée dans le nœud est affectée à l'aide de la méthode newval. Les nœuds de profondeur 0 sont des feuilles et ne créent donc pas de fils. Complétez la classe 1 nœud pour que l'exécution du programme crée un arbre binaire complet. Alors, la question, la réponse est trop rapide. Est-ce que quelqu'un a une idée de manière de procéder? Ou est-ce que j'ai... Allez, je vais être gentil. Sauf que là, comme il y a du code, c'est un peu... Alors, là, ici, alors on a été tordu. Hein, ça, c'est des réflexes. Là, on a créé un tableau de thread, mais c'est totalement inutile. Hein, il suffit d'avoir deux variables de thread. On pourrait même presque s'en passer. Sauf dans certains cas, un peu plus loin, ça peut être pratique. Donc, on a ici un cas flagrant de récursion. C'est-à-dire que ici... Le nœud i, donc je passe en paramètre la profondeur dans le constructeur. Si la profondeur est égale à 0, comme on vient de vous le dire ici, eh ben, on arrête. C'est des nœuds feuilles, on crée, je vous rappelle, un arbre complet. Hein. Donc ben, on s'arrête. Et si le nœud n'est pas égal à 0, la profondeur n'est pas égale à 0, eh bien dans ce cas-là, on va créer deux threads, une thread pour le fils gauche, une thread pour le fils droit. Et pour chacune de ces threads, eh bien, on va créer la thread avec un nœud, on va lui passer la référence au nœud pair, qui est le nœud courant, et on va lui passer une profondeur décrémentée. Et puis, ensuite, eh bien, on va démarrer cette thread. Alors, c'est important, hein, il faut qu'on ait les deux. C'est pas parce qu'on a créé la thread qu'on a démarré la thread. Là, ici, bien évidemment, on fait tout ça dans un try-catch. Est-ce que vous avez des questions sur cette solution? Est-ce qu'il y a des choses qui vous préoccupent? Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main avec Zoom et puis je m'interromperai dès que je peux pour vous passer la main. N'hésitez pas. Alors, je ne résiste pas à l'idée de vous montrer quelques collecteurs. Il y a certains d'entre vous qui avaient encore des soucis avec la récursion. C'est-à-dire que quand on construit quelque chose comme un arbre, c'est quelque chose qui est construit de manière récursive. Donc déjà, quand dans une récurrence, on voit un while, ça craint. Et ici, on a un while. D'accord? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Okay? D'autant plus que ce qui est assez drôle, c'est que ici, alors du coup, il passe un PRP, il essaie de mettre à jour le pair ici, avec un TMP, mais du coup, il est en train de perdre les paires parce qu'il ne va pas avoir un parcours par niveau. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de nœuds qui ne vont pas être attachés au bon pair. Et en particulier, les nœuds de l'arborescence de droite, quand vous serez passé, quand vous aurez construit l'arborescence de gauche. Donc, en fait, je ne sais pas très bien ce que construit cet étudiant avec ce code-là, mais c'est clairement pas un arbre. Là, on a ici quelque chose d'intéressant. Alors, une autre variante, toujours avec un while, donc là aussi, ça craint un petit peu. Et ça craint parce que le contexte n'est pas bon. C'est que là, en fait, ce qu'il est en train de faire, je pense, c'est quelque chose qui ressemble à un arbre comme ça. C'est qu'en fait, tous les nœuds qu'il va créer vont être attachés à un unique ZIS. Et quand ce ZIS ne change pas, c'est une racine. Voilà. Donc, du coup, ben, en fait, on n'a pas tout à fait l'effet escompté. Donc, bien évidemment, c'est des éléments qui rapportaient pas beaucoup de points. Excusez-moi, pourquoi il y avait un try-catch? Alors, exercice 2, question 4. On vous posait, alors ça, c'est quasiment une question de cours. Quelles sont les 10 différences principales entre le parcours que vous avez implémenté
et un parcours récursif de l'arbre au sens traditionnel du terme. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre? La réponse est les nœuds sont créés au fur et à mesure du parcours, et puis un nœud n'attend pas pour que ses fils se terminent. Alors, je prends celle-là. Est-ce que quelqu'un d'autre peut m'en sortir une autre? En fait, il y en a plus que deux. Hein. Oui. Moi, j'aurais dit qu'il n'y a pas de phase de remontée. C'est-à-dire on ne fait que descendre jusqu'en bas de l'arbre. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre suggestion à faire? En fait, à part les deux qui interviennent très régulièrement et plutôt bien à propos, tout le monde est très hyper timide ou endormi. Bon, écoutez, on va regarder. Alors, il y a plusieurs différences. On vous en demandait deux et ceux qui ont donné les trois avaient droit à un petit bonus. La première différence, c'est que les occurrences d'un parallèle, les appels, alors, sont réalisés ici en parallèle avec les compteurs ordinaux différents sur des fils d'exécution différents. En fait, si j'essaye de regarder les choses, ce que ça veut dire, c'est que quand vous êtes en récursif classique, donc vous êtes en séquentiel, et donc quelque part, j'ai fait une petite bêtise, c'est pas grave, vous avez un appel, damned. Vous avez en fait donc un appel comme ça, et puis vous construisez comme ça, et puis vous construisez comme ça, etc. Et puis quand vous redescendez, vous construisez comme ça, et puis ensuite vous redescendez, vous construisez comme ça, comme ça, comme ça. En fait, vous voyez que la construction de l'arbre suit de manière séquentielle le parcours préfixe. D'accord ? Ça, c'est ce que vous avez quand vous faites un parcours séquentiel. Quand vous avez un parcours en parallèle, eh bien, en fait, vous avez ça. Et comme vous avez deux threads, eh bien, vous allez avoir les niveaux suivants qui vont se construire, mais, alors, modulo la manière dont les instructions et dont les threads vont être ordonnancés, mais vous allez avoir une construction qui va se faire plus par vague. D'accord ? L'autre différence, et ça personne ne l'a sorti, c'est que lorsque vous faites des appels récursifs, en gros, chaque contexte propre à une occurrence d'un nœud est stocké sur la pile. Donc, vous avez fait la séquence là, donc vous avez un appel avec le contexte ici, un autre appel avec le contexte là, etc. Là, alors, il y a un point qui est très important, c'est que vous avez toujours des contextes qui sont distincts, mais ils sont en fait dans l'espace mémoire des threads. Chaque thread, d'ailleurs, ayant sa propre pile. Même si les threads sont dans l'espace mémoire du processus parent, il n'y a pas de raison qu'une variable locale toto de cette thread-là interfère avec la variable locale toto de cette autre thread. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, en fait, la manière dont le contexte est géré n'est pas le même. Donc, quelque part, vous avez tous dit que la façon dont l'arbre a été construit n'est pas tout à fait la même. Là où je suis pas d'accord, c'est que vous dites qu'il n'y a pas de remontée. Si, il y a une remontée. Parce que, alors, elle n'a pas lieu de la même manière. La remontée en récursif se ferait avec un return, mais il y a une remontée forcément, parce que si vous voulez faire la somme, alors, pouf, pouf. En fait, là, je suis en train de répondre à la suite. Si je crée l'arbre, j'ai malgré tout, alors j'ai pas de remontant, j'ai pas de return, mais quelque part, le return dans l'appel récursif ne provoque pas de création nouvelle. La seule chose qui va créer, qui va provoquer, c'est une attente globale au niveau d'une racine. Et c'est un peu la même chose qu'on a intérêt à avoir au niveau d'une racine ici, si je suis en récursif. Et j'ai intérêt à avoir la même chose ici. Il faut que je trouve un moyen d'implémenter cette remontée, parce que si pendant que l'arbre est en train de se construire, je lance de nouveaux traitements au niveau de la racine, ça peut très mal se passer. Donc dire qu'il n'y a pas de remontée, c'est un peu délicat. Vous voyez ce que je veux dire?
La remontée ne s'exprime pas de la même manière. Et si vous devez travailler sur cet arbre une fois que cet arbre est construit, vous n'aurez pas à attendre de la même manière que cet arbre soit construit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si je suis pas clair, c'est le moment de le dire. J'ai une petite idée, okay. Du coup. Donc ça, c'est un des premiers points que vous avez souligné. Ensuite, il a été... J'enlève tout, excusez-moi, voilà. Ensuite, vous avez dit... alors, c'était quoi le deuxième point? J'aurais dû le noter. Excusez-moi, votre deuxième point, c'était lequel? Le premier étudiant... c'était qui? C'était quoi votre deuxième point? Je dis que n'attend pas pour que ses fils se terminent. Alors oui, alors, il n'attend pas que les fils se terminent, et en fait, si on veut utiliser l'arbre, on a intérêt à faire en sorte qu'il attend, tout à fait. Donc ça, c'est effectivement une différence. Alors, en gros, si je regarde ça, donc là, on est grosso modo d'accord sur les modes d'exécution qui sont pas les mêmes, d'accord? La seconde différence, c'est l'absence du sort de la pile, ça, c'est ce que je vous ai dit, d'accord? On s'appuie sur le contexte des threads différentes qui exécutent les occurrences de l'appel récursif. En gros, ceux qui n'aiment pas la récursion, n'imaginez pas que parce qu'on est en concurrence, on échappe à la récursion. Simplement, la récursion concurrente ne s'exprime pas de la même manière. Voilà. Et effectivement, on pouvait noter que l'ordre d'exécution des occurrences des appels change. Dans le séquentiel, il est immuable. Vous faites toujours un parcours qui est le même, qui est celui qui est indiqué dans le code. Tandis que dans le parcours parallèle, alors il y a des choses qui n'arriveront pas. Un fils sera jamais créé avant son père. Mais par contre, sur une rangée, un niveau de profondeur donné, l'ordre de création des fils, il est un peu aléatoire. Et vous pouvez avoir, entre des niveaux des profondeurs données, vous pouvez également avoir des effets retard qui font que le sous-arbre gauche, sur certaines parties, il est en avance, sur d'autres, il est en retard par rapport au sous-arbre droit. D'accord? Voilà. Et donc là, ça pose un problème, c'est que si vous voulez utiliser une structure que vous avez construite de cette manière-là, vous êtes obligé de trouver un moyen d'attendre, d'être certain qu'elle est terminée. Parce qu'en récursion, c'est Julien qui évoquait, je crois, le problème du phénomène de remontée. En fait, dans les deux cas, alors, il a raison, en fait, la remontée, elle existe en ce sens que cette remontée, ne la voyez pas comme une remontée d'information, mais comme une espèce de synchronisation qui fait que lorsque on est remonté au niveau racine, les deux appels récursifs d'une racine sont remontés, hein, eh bien, on sait que l'arbre a été créé. En parallèle, on n'a effectivement pas tout à fait cette notion de remontée, hein, d'accord, et il faudra qu'on s'en serve. Alors, c'est intéressant ça parce que si vous avez compris ça, c'est que clairement, ça vous aura facilité la vie lors d'une question suivante. Alors, quelques collecteurs. Alors ici, alors c'est pas vraiment un collecteur là. Il dit le parcours récursif en sens traditionnel a un seul flux d'exécution qui ouvre une hiérarchie d'exécution, copie agréable à lire d'ailleurs. Et chaque tâche doit terminer son exécution au niveau des feuilles avant de remonter la hiérarchie. Dans mon implémentation, les threads générés s'exécutent en même temps. Alors, pas tout en même temps. Temps partagé géré par l'ordonnanceur. De plus, les threads partagent le même emplacement mémoire, tas. Alors, dans le parcours récursif, il n'y a pas de risque d'incohérence dû au partage mémoire. L'exécution simultanée des threads peut produire des incohérences dans le programme. Dans le cas présent, non. C'est-à-dire qu'en fait, sur cette partie-là, l'étudiant, il avait tout faux. Autant ça, on peut lui donner des points, autant sur la partie en bas, c'est pas possible. Parce qu'effectivement, il a raison en ce sens que les threads partagent le même emplacement mémoire par rapport au processus qui englobe les threads. On a vu ça hein, dans les premières vidéos, hein, entre le niveau thread et le niveau processus. Mais par contre, on est d'accord que deux threads ne vont pas lire dans le contexte l'une de l'autre. C'est pas possible, sinon ça va péter. Chaque thread a sa propre pile, chaque thread a son propre tas pour ses variables qu'elle alloue elle-même, enfin ses propres... non, excusez-moi, elle n'a pas son propre tas parce qu'elle est loue sur le... Mais les variables locales qui font partie du contexte, elles ne sont pas partagées. Elles sont sur la pile d'exécution de la thread et par conséquent, elles ne sont pas sujettes à incohérence. D'accord ? Si je fais une allocation globale et que je les échange entre deux threads, là, il peut y avoir cohérence, il faut que je trouve un mécanisme de protection. Mais si j'utilise des variables globales, ce qui est le cas dans les programmes qui vous sont présentés,
Là, je ne peux pas avoir incohérence. Quant à une variable de classe, elle n'existe qu'en un seul exemplaire. Elle, elle est sujette à incohérence. Et d'ailleurs, on vous a déjà dit, et vous avez déjà répondu, sur comment faire pour les protéger. Donc là, la deuxième partie, c'était dommage. Parce que il avait raté quelque chose. La différence, c'est dans un appel récursif, on a un nœud avec une référence sur fils. Or, dans notre cas, on a une référence vers le père. La récurrence qu'on vous donne, on peut la faire exactement en séquentiel comme, enfin, si vous enlevez la création de la thread, ça marche exactement de la même manière et vous aurez eu sur un appel récursif la référence au père. Telle que les choses sont construites dans cette structure de données, c'est les fils qui référencent les pères et pas les pères qui référencent les fils, puisqu'on oublie la référence sur, le père oublie les références au fils, a priori. Enfin, il n'est pas forcément obligé de s'en remplir. Donc la question, elle n'est pas là. Hein. C'est pas parce qu'on fait un appel récursif séquentiel ou récursif parallèle qu'on va avoir des contraintes sur les références, dans quel sens elles ont lieu. Ça, c'était une mauvaise réponse, donc je crois qu'il y a eu un gros zéro. Ici, il y avait un parcours issu de ces méthodes qui est appelé n fois, mais avec des valeurs de n différentes, alors qu'ici, on utilise un effet domino. Le nœud actuel génère lui-même ses fils. Bon, pourquoi pas? Je pense qu'il n'a pas perdu tous les points, cet étudiant. Deuxièmement, avec le parcours récursif, il y a un retour vers la plante pour valider ce qui a été fait. Enfin, c'est un petit peu la remarque de Julianne, alors qu'ici, dès qu'on arrive aux feuilles, on s'arrête, pas besoin de retourner à la plante. Oui, je suis d'accord, mais c'est le problème. C'est-à-dire que vous ne savez pas, celui qui a initié la création du nœud ne sait pas quand l'arbre est créé. D'accord? L'appel récursif dans nœud n'est pas explicite, mais se fait via le start. Bon, pourquoi pas. La profondeur est inversée. Là aussi, on a zéro. Non, pas du tout. Là, la profondeur n'est pas du tout inversée. Donc, autant là, on peut donner des bouts de points. Autant ça, c'est n'importe quoi. Encore une fois, c'est nous qui avons décidé que la profondeur était quelque chose qui se décrémentait. On aurait parfaitement pu passer un paramètre n, qui était la profondeur maximum, et un deuxième paramètre, qui était la profondeur courante. Et dans ce cas-là, ça se serait incrémenté. Donc, si vous voulez, c'est pas un effet de passer par des threads qui a changé ça. Et puis, encore une petite autre. Donc, dans le parcours de la question 3, on crée de nouveaux threads, donc là, on applique star qui appellera 1. Au sens que dans un parcours récursif, au sens traditionnel, on aurait directement appelé la fonction run. Alors, il est à côté de la plaque, mais il n'a pas totalement tort. Je pense qu'il a eu quelques points, mais pas beaucoup. D'accord? En fait, il ne répond pas. Alors, pourquoi il n'a pas eu les points? C'est parce que c'est une réponse hors sujet. Il ne répond pas à la question. Mais il a vu quelque chose. C'est qu'effectivement, si dans la récurrence, j'avais pas fait le t.start, mais j'avais fait un t.run, j'étais ramené à un parcours séquentiel. Bon, mes threads ne servaient à rien, mais voilà. Et puis, la différence, c'est que le parcours implémente par nous-mêmes est parallèle, alors que le parcours réussif est séquentiel. En construisant l'arbre de manière parallèle, on exécute plusieurs threads en même temps, donc l'algorithme est plus efficace. Oui, non, c'est pas parce que je roule à deux voitures que je vais deux fois plus vite. Mais bon, c'est bof, c'est pas une réponse. Elle est bof, elle est surtout un petit peu hors sujet. Exercice 2, alors on va traiter en un bloc les questions 5, 6 et 7. Elles étaient traitées en un bloc. D'ailleurs, certains étudiants ont répondu en rédigeant la classe, donc la question 7, et en indiquant dans la question 7. Quelles étaient les portions de code correspondant aux questions 5 et 6? Donc, on vous demande, alors, c'est la remarque. Donc, il y avait deux choses dans la question. Il y a la précédente, il y avait la création de l'arbre, et puis ensuite, il y a le calcul de la somme. Donc, dans la création de l'arbre, effectivement, on n'a pas la remontée, on n'a pas besoin de la remontée, enfin, on a besoin de la remontée pour savoir quand l'arbre est créé, mais elle n'existe pas de la manière dont on l'attend dans la récurrence. Ici, on sent bien que comme il va y avoir un phénomène de comptage, il va falloir que le nœud père demande à ses fils, enfin, dans le code du fils, il y a quelque chose qui permet au fils de renvoyer à son père la valeur
de la somme des étiquettes qui contient les étiquettes de ses sous-ordres gauche et droit, donc la somme de sous-ordre gauche plus somme de sous-ordre droit, additionnée avec la somme de, enfin, avec la valeur de son étiquette à lui. Et donc, on sent bien qu'il va y avoir besoin d'un phénomène de synchro. Donc, on vous le donne, donc on vous donne deux parties. Donc, d'abord, on vous demandait en question 5 d'écrire le code permettant à un nœud d'attendre les valeurs envoyées par ses fils. Ensuite, on vous demandait d'écrire le code correspondant à l'envoi d'une valeur. Et enfin, on vous demandait de compléter le code de la classe 1. Donc, j'aimerais qu'on regarde avant tout les questions 5 et 6. Et est-ce que quelqu'un a des éléments de solution à proposer? Réponse, c'est dommage qu'on ne puisse pas projeter de l'eau pour vous réveiller à travers Zoom. Ce serait une fonction qu'on devrait demander à dont on devrait demander l'implémentation. Ma réponse, c'est le père va attendre avec la fonction join pour que ses fils se terminent. Alors, on peut le faire avec le join. Le join, là, à mon avis, n'est pas... Alors, on peut le faire avec le join, si, mais il faut faire attention. Parce que si vous attendez un résultat après le join, alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que fait le join? Il attend la terminaison d'un thread? Alors, le join attend la terminaison d'un thread. Quand vous faites t égale new thread quelque chose et que vous mettez derrière t.join, ça fait que vous êtes suspendu jusqu'à la fin de la thread. La seule chose, c'est que lorsque vous êtes réveillé, la thread en question n'existe plus. OK? Donc, si vous devez échanger un résultat avec, il faut que le résultat vous ait été transmis avant que le join ait lieu. Donc, le join est une solution, effectivement. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre solution? On utilise un synchronized où on se met en wait tant qu'on n'a pas reçu deux valeurs, donc celle des deux fils. C'est une autre solution, tout à fait. Et du coup, l'envoi d'une valeur se fait, alors dans les deux cas, avant les fils. Alors, on va regarder les bases de solutions pour les questions 6 et 7, 5, 6 et 7. D'abord 5 et 6. Donc là, on l'a dans le corrigé, pour séparer les choses, on a mis ça dans des méthodes. Hein. Donc, on a créé une méthode attendre valeur. Cette méthode attendre valeur, eh bien, elle est synchronized. Et ici, on a implémenté la solution proposée, je crois que c'est Julian. Effectivement, donc on a un compteur qui est initialisé à 0. Et puis ici, on fait un wait. Et c'est-à-dire que le pendant, quand le fils va envoyer la valeur... Alors, le fils va envoyer la valeur au père, il va appeler sur le père, donc il a la référence, une méthode envoyer valeur, ok, et envoyer valeur va incrémenter ce fameux compteur, il va incrémenter ma valeur, et il va faire un notify. Et bien évidemment, cette méthode-là, elle est elle aussi synchronisée, parce que NDREP est utilisé dans les deux. Et le notify, ici, va réveiller le wait. Est-ce que ici il y a une différence entre mettre un notify et notify all? Je dirais que non, parce que de toute façon il n'y a qu'un seul thread qui attend, il est censé être celui du père. Alors effectivement, là il n'y a pas de différence, parce qu'on est sûr qu'il n'y a jamais qu'un seul thread qui attend. Donc là nous on s'est contenté d'un notify, bien évidemment les étudiants qui ont mis un notify all, on ne les a pas flingués, hein, bien évidemment, c'était tout à fait correct aussi. Là on n'a jamais qu'un seul qui attend. Voilà. Alors du coup, c'est assez simple. Donc vous sentez, on a la méthode de création des deux fils, fils de la sous-arbre droit, fils du sous-arbre gauche, et ensuite, eh bien, on va faire attendre valeur. Et les fils, à un moment donné de leur exécution, ils vont faire une fois. Alors, on va faire attendre valeur. Et puis, une fois qu'on a récupéré les valeurs, c'est qu'on sait que le compteur, ma valeur, a été incrémentée par mes fils gauche et mes fils, mon fils gauche et mon fils droit, qui eux-mêmes sont remontés, etc., etc. Et quand je sors de attendre valeur, moi, je vais faire un envoyer valeur au niveau au-dessus. D'accord? Donc, vous sentez bien? Donc, tout à l'heure, en fait, c'est cette fameuse remontée qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'à travers ce mécanisme-là, on va, quand on va sortir de la méthode principale,
eh bien, on aura exécuté à la fois la construction de l'arbre et on aura fait la remontée de la somme des éléments de l'arbre. Donc, regardons maintenant le code de la méthode run. Donc, vous retrouvez bien évidemment en haut le code qu'on a déjà écrit, avec deux, trois améliorations en plus. Donc ici, une fois que j'ai créé les deux fils, enfin les deux sous-arbres, je me connecte sur attendre valeur. Donc vous avez le code juste au-dessus. Et par conséquent, ben, on exécute ça. Donc c'est cette boucle. Alors après, si c'était pas par rapport à une méthode, c'est pas grave, hein. Vous mettez un synchronized sur une variable d'instance déclarée dans la classe Node, et puis ça revenait exactement au même. Vous n'êtes pas obligé de passer par une méthode. Et puis, une fois que vous sortez de là, la variable ma valeur, qui est une variable d'instance qui a été déclarée ici, initialisée à 0, a été incrément, enfin a été mise à jour par le sous-arbre gauche, la racine du sous-arbre gauche, la racine du sous-arbre droit. Et dans ce cas-là, vous n'avez qu'à faire un affichage. Donc ici, on différencie le fait que je suis à la racine ou je suis pas à la racine. Alors ici, si je suis à la racine, on a décidé que bon, on peut afficher. Puis après ici, j'ai même fait un envoyer ma valeur au programme principal. Voilà. Excusez-moi, un envoyer ma valeur au niveau au-dessus. Donc là, si c'est à la racine, c'est au programme principal. Et sinon, là, ici, j'affiche directement le résultat. D'accord? Donc, c'est totalement aisé, hein. Vous voyez que c'était le programme qui avait été écrit plus quelques éléments supplémentaires. C'était quand même pas hyper compliqué à part naviguer de façon parallèle dans la structure donnée. C'était pas vraiment épouvantable comme manière de procéder. Alors, j'ai eu quelques collecteurs. Là, il y a quelqu'un. Alors, en fait, la solution, elle est pas totalement fausse. Mais si vous voulez, c'est con d'utiliser un booléen quand on attend deux valeurs. Et du coup, ben, lui, il est embêté pour son deuxième sous-arbre. D'accord. Ici, il se synchronise, mais il se synchronise sur le père. J'ai pas très bien compris pourquoi il se synchronise sur le père. C'est compliqué parce que du coup, on est en train de mettre en concurrence les deux sous-arbres qui dépendent du même père alors que c'est inutile. Voilà. Et alors du coup, le notify all à ce stade-là devient extrêmement dangereux, parce que et même un notify tout court devient dangereux parce qu'on ne sait pas lequel on réveille. Alors après, ça peut ne pas être hyper grave, enfin quand même c'est moyen, d'accord. Ici, qu'est-ce qu'on a là? On a un truc très intéressant, d'accord. Alors là l'étudiant s'est fait avoir. En plus, il s'est fait avoir, il a mal recopié parce que il a oublié qu'une thread. Alors, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure en discutant, c'est pas faux, mais c'est plus un parcours parallèle, c'est un parcours séquentiel. D'accord. Donc en fait, les threads ne sont pas créés. Les threads sont créés, mais elles ne sont pas utilisées. Voilà. Bon, et puis alors, l'autre truc qui est très très étrange. C'est, je fais un envoyer et un recevoir. Je sais pas trop à qui j'envoie, je sais pas trop à qui je reçois, d'accord. En particulier parce que j'ai pas ici de référence vers la classe que j'attends. Oups. Alors si une dernière remarque, la première solution était à base de join. Alors en fait, ce serait pas faux à base de join. Bien évidemment, ça marche. La seule chose, alors vous l'insérez bien évidemment ici aussi, hein, mais ici, alors c'est possible parce que j'ai gardé le truc. Ici, la solution à base de join, je ferai tab thread de 0.join et je ferai la même chose de 1.join. Et ça marche aussi, puisque effectivement, il attend la terminaison des deux threads. Par contre, effectivement, il faut que les threads, elles invoquent ce truc-là, il a toujours besoin d'être synchronized, parce que les deux threads, elles s'exécutent quand même en parallèle, elles peuvent être commutées n'importe comment.
Voilà. Donc ici, je pense que vous avez vu qu'on pouvait le faire soit avec des joins, soit avec un wait, et ça ne posait évidemment aucun problème. Est-ce que vous avez des questions? Alors, oups, j'ai raté mon animation, mais c'est pas grave. On vous demandait en dernière question de modifier le programme pour que l'affichage de la somme soit maintenant effectué par le thread principal. Alors, il y avait deux pièges là-dedans. Là, vous n'avez pas trop de solution que d'utiliser un join, puisque vous n'avez pas besoin de... Donc ici, il fallait ajouter le join derrière. Et puis là, par contre, une fois que la thread a fini son exécution, vous avez toujours le nœud, un nœud, et donc dans ce cas-là, vous récupériez la valeur de racine via l'accesseur qui vous avait été donné en première, enfin en début d'examen, enfin en début de partie. Voilà. Donc, encore une fois, c'était quand même pas extrêmement compliqué. Alors, tout à l'heure, j'ai lancé un timer. Le timer est en train de s'arrêter. Je suis à 48 minutes. Et on a bien discuté. Vous aviez 1h30. Vous voyez, c'était finalement assez confortable. Et vous avez vu que même collectivement, je veux dire, bon, parfois vos réponses sont imprécises ou autres, mais on a plutôt trouvé les bonnes réponses. Alors, à ce stade-là, est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est ça, voilà, il faut attendre le parcours, enfin, c'est l'explication du join, c'est ce que je vous ai dit ici, et j'ai merdé sur mon animation. Alors, sur une copie, il y avait quelqu'un qui a fait un T-run au lieu d'un T-start. Alors, si le T-run au lieu d'un T-start, ici, n'est pas gênant, ça fait juste une différence, c'est que le nœud racine, le code du nœud racine est exécuté pas dans la thread qui a été créée là, c'est qu'on crée la thread du coup, mais pour le compte de la thread principale. Donc c'est une, s'il a fait le new thread, l'étudiant qui a fait ça, c'est pas beau, mais s'il n'a pas fait le new thread et qu'il a fait directement le run, c'est pas totalement faux, enfin, c'est acceptable, d'accord. La seule chose, c'est qu'on est d'accord que le run, c'est pas la même chose que le start. Voilà. Bon, je vous ai dit que 48 minutes pour avoir 20 points, vous aviez 90, il y avait de quoi faire. Et donc, est-ce que vous avez des questions? Monsieur, oui, j'ai une question. Allez-y. Par rapport à la solution avec le join. Au lieu de, j'ai fait au lieu de faire les nœuds fils, on va les valeurs vers le nœud père. Ma réponse c'est le nœud père va interroger l'instance fils. Dans ce cas-là, malgré que les threads fils sont déjà morts. Alors, en fait, je pense que, alors c'est intéressant. J'avoue qu'il faudrait essayer cette solution. Je suis pas très confortable avec cette solution. Il se trouve qu'en Java, je pense que ça peut marcher en Java, parce que vous remarquez que vous créez les threads en deux temps. Vous créez d'abord l'objet et puis ensuite le thread qui va contenir l'objet. Oui. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait imaginer que la désallocation de la thread, quand elle se termine, soit distincte de la désallocation de l'objet. Mais ça, c'est un phénomène Java. C'est pour ça que cette solution ne plaît pas. Ouais. D'accord? Tu l'as dit, c'est celle qu'on a utilisée à la fin, hein. Dire. Je pense pas qu'on, enfin, moi, je vous compterai pas faux. Je sais pas si j'ai corrigé votre copie ou pas. Je vous compterai pas faux. A priori, hein, il n'y a pas de raison. Ce qui est certain, c'est que dans d'autres langages de programmation ou dans d'autres situations de gestion du parallélisme,
C'est pas terrible l'idée d'aller chercher une valeur auprès d'une entité qui a cessé de s'exécuter. D'accord? Ça veut dire, dans ce cas-là, il faudrait que vous ayez un container quelque part, un système de communication qui permette à une thread qui est morte de laisser un message, une boîte aux lettres, à une thread qui est encore vivante. Ouais, alors on peut ajouter quelque chose comme ça. Voilà. Vous pouviez avoir une solution avec un join, d'accord, en remontant de la même manière qu'on l'a fait avec le wait. De toute façon, join wait, c'est pas parce que j'ai fait un join que j'attends qu'elle soit morte. Il se trouve que quand le deuxième wait est exécuté, si je vais utiliser getValueur, la thread qui a exécuté le nœud pour lequel je fais le getValueur, elle est morte aussi. Puisque dans le code, après, elle ne fait plus rien. Enfin, elle fait les remontées et tout. Puis après, elle ne s'exécute plus, quoi. Je veux dire, c'est terminé. D'accord? Ouais. Enfin, c'est compliqué parce qu'en fonction de la commutation, elle peut être morte ou ne pas être morte. C'est encore pire. C'est le genre de truc qui marche dans le... D'accord? Donc, je veux dire que le problème de la thread est terminé lorsque moi, je récupère les valeurs au niveau du nœud pair n'est pas uniquement lié au join. Je suis sûr quand c'est le join, puisque le join, il attend que la thread soit terminée. Mais après le wait, rien n'empêche la thread d'avoir continué son exécution jusqu'à la fin et je me réveille du wait qu'après. D'accord? Ouais. Voilà. Mais bon, si on arrive à ce niveau de discussion, c'est que vous avez compris des choses. Ne vous inquiétez pas. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Allez-y. Par rapport, je crois que c'était l'exercice 1, question 2, sur l'ordre d'exécution A, C, etc. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait éviter le troisième cas C à B, où il n'y a uniquement affichage de trois lettres? D'ailleurs, éviter. L'intérêt n'est pas de l'éviter, si vous voulez. On a fait exprès d'avoir une solution avec l'interblocage. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est je reviens plutôt dans un exercice des exercices passés, par exemple la gare du train où on veut que tout se passe dans un ordre bien précis avec des wait et des notify comme ceci. Comment vraiment comment faire en sorte c'est compliqué parce qu'il y a chaque cas de figure. En gros, la réponse que je vois plus générale, c'est comment éviter un interblocage. Donc, on a vu que, en fait, il y a deux formes d'algorithmes. Il y a les algorithmes de prévention de l'interblocage, de détection, pardon, de l'interblocage, permettent, et c'est déjà bien, de constater qu'il y a un interblocage, il se passe plus rien dans l'application. Donc, en général, quand on est à ce stade-là, faut tuer quelqu'un. Alors, si on s'en sort bien, on tue qu'une tâche, voire même on kill l'application, on la redémarre complètement. Dans les systèmes de base de données, c'est ce qu'on est parfois être amené à faire. C'est-à-dire que alors si on tue quelque chose et qu'on le redémarre, il ne faut pas que l'entité qui a commencé à démarrer laisse l'état global du système dans un état incohérent. Imaginez par exemple dans une base de données, j'ai des transactions, je vous vire votre salaire et je fais la dépense de Noël. Donc j'ai les dépenses de Noël qui sont tirées et le salaire qui est viré. Et puis qu'est-ce qui se passe? Je kill les transactions virer le salaire avant que le salaire soit viré. Alors, il faut que je la redémarre, mais il faut que je sois certain que le salaire n'a pas déjà été versé quand je la kill, ou que je... Donc, en fait, en général, c'est pour ça qu'on a cette notion de transaction, et la notion de transaction est associée à ce qu'on appelle un rollback. C'est, il faut qu'on soit capable de rejouer, enfin, de restaurer pour les données modifiées par l'entité qui est interrompue, l'état avant qu'elle ait modifié les données. De façon à ce qu'on puisse vraiment tuer la tâche et faire comme si les transactions n'avaient jamais eu lieu pour pouvoir la redémarrer de façon saine. Sinon, on va avoir des salaires qui vont être débités deux fois, des dépenses qui vont être débitées deux fois, enfin, des trucs qui vont pas forcément tous vous plaire en fonction des scénarios. D'accord. Après, il y a une deuxième famille d'algorithmes qui sont des algorithmes de prévention d'interblocage. Alors là, il faut s'intéresser aux fameuses quatre conditions qui permettent qu'il y ait interblocage. Et on réalise que si, alors ça c'est un très beau papier qui est assez ancien, si l'une de ces conditions tombe, l'interblocage ne peut pas avoir lieu. Il ne peut pas. Et alors il y a plusieurs conditions à faire tomber, mais une condition qui est assez facile à faire tomber, alors il y a deux manières.
La première, c'est le fait que je réserve au fur et à mesure et je relâche quand je veux, quand j'en ai plus besoin. Donc, il y a une première manière de faire qui est de dire j'ai un contrat. J'ai besoin de ces ressources-là. Et en gros, ça veut dire que dans l'exemple que j'ai là, ça veut dire que, ben, écoutez, une fois que la thread A ou la thread pardon, TH1 ou la thread TH2 a la main, eh ben, elle va au bout de son exécution. Je ne peux pas l'interrompre. Et dans ce cas-là, j'ai forcément A, B, C, D ou C, D, A, B. C'est une manière de dire. Mais par contre, ça suppose que quand vous demandez un ensemble de ressources, vous soyez dans une situation où vous pouvez prédire l'ensemble de ressources dont vous avez besoin. Et quand vous ne pouvez pas le prédire, vous pouvez dire « j'accepte à toute la base de données ». Mais vous imaginez bien que si on a une approche comme ça, on risque de perdre énormément de parallélisme et du coup de perdre énormément en performance. Parce que ces verrouillages, ils coûtent cher en termes de CPU. Et si vous n'êtes pas remboursé par le fait que vous ayez du parallélisme, ça n'a aucun intérêt. Je vois. D'accord ? Alors, la deuxième condition qu'on peut faire sauter, c'est la condition qui garantit que vous avez un cycle. Et donc, vous pouvez dire, je garantis que j'ai jamais de cycle. Une meilleure garantie de jamais de cycle, c'est que je dis, ben, je ne sais pas combien de ressources j'ai besoin, je n'oblige pas de réserver toutes les ressources dont j'ai besoin d'un seul coup, mais par contre, j'impose l'ordre dans lequel je réserve les ressources. C'est-à-dire que je vais réserver les ressources dans un certain ordre. Je peux faire des réservations par classe de ressources. Et ça veut dire que si je suis bloqué, c'est sur une ressource d'une classe qui est plus en avant de ce que celle que j'ai déjà réservée. Et par conséquent, une thread qui dispose de cette classe-là ne peut pas elle-même être en attente d'une ressource qui est derrière que moi j'ai déjà réservée parce qu'elle ne pourrait pas avoir réservé ses ressources puisqu'elle dispose déjà, elle ne pouvait pas avoir, dispose déjà la ressource que moi j'attends puisque ça veut dire qu'elle aurait dû disposer des ressources qu'elle est censée déjà avoir et que moi-même, j'ai déjà pu réserver. D'accord ? Et alors ça, c'est un deuxième truc qui fait que vous ne pouvez jamais avoir de cycle dans le fameux cycle des dépendances entre les threads ou entre les processus, on a la même chose. Et dans ce cas-là, ça vous garantit l'absence d'interblocage. Donc, il y a des hypothèses où, des cas de figure où on ne peut absolument pas remplir ces hypothèses-là. Par exemple, quand on a des traitements qui dépendent de requêtes que vous n'avez pas, que vous avez d'informations que vous acquérez au fur et à mesure, on peut ne pas être en mesure de disposer, de faire ce genre de choses. Ou lorsque, en fonction des différents types de requêtes, vous avez des ordres qui sont incompatibles entre les réservations des ressources, d'accord, et que vous n'arrivez pas à trouver un ordre total de réservation de ressources. Hein, parce que ça, c'est un truc, alors, je dis des gros mots, mais vous pouvez les regarder dans la littérature, c'est intéressant. Mais dans un système concurrent, on n'a pas… la question à laquelle vous répondez là, c'est est-ce qu'il existe un… On n'a pas d'ordre total, on a des ordres partiels, et on a des synchronisations avec des séquences, d'accord. Et là, en fait, dans l'exemple de l'affichage, là, qu'on vient de voir, eh bien, on a des ordres qui marchent pas, qui provoquent des blocages. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'était plus par rapport au fait que comment éviter qu'un notify avant le wait dans ce cas-là, mais j'ai appris. Alors, vous pouvez, en fait, pour éviter un notify avant le wait, il aurait fallu que vous ayez une autre synchro. D'accord. Par exemple, alors une autre synchro, vous auriez parfaitement pu dire que vous synchronisiez, vous, avant de faire le print de C, vous mettiez un wait sur un autre objet et que à un moment donné, par exemple, afficher le A, parce que c'est là que c'est délicat, eh bien, avant le wait dans le TH1, vous fassiez un notify sur le wait de TH2. D'accord. Et en fait, c'est ça, hein, je veux dire, c'est quelque part, je vais contraindre, alors ça fait sauter la troisième exécution fautive, bien évidemment. Et ça fait même sauter la quatrième exécution, parce qu'elle ne peut pas avoir lieu si elle ne peut pas démarrer avant, puisque je commence par un wait. Ok. Donc, j'ai plus qu'une exécution possible. Donc, il existe toujours, alors c'est ce que j'appelle un protocole. Là, je suis en train de déterminer, à coup de ces wait et de notify, je vais forcer des ordres à des endroits que je qualifie de délicats. D'accord. Et donc, en gros, TH1 va dire à TH2 quand il peut démarrer,
TH2 va faire son affaire et il va dire ensuite dire à TH1 quand il peut reprendre son exécution. D'accord. Mais là, j'ai plus. Alors, dans l'exemple présent, j'ai plus de paralysie. Mais vu le niveau de l'exemple, c'est pas très intéressant. Donc, en fait, la seule manière d'éviter ça, donc, et je vous l'ai dit, les allocations de ressources par classe. Là ici, les ressources, c'est on peut dire les affichages ou les verrous, des choses comme ça. Mais si vous voulez, vous allez contraindre les exécutions forcément en rajoutant des synchronisations. D'accord. Est-ce que j'ai mieux répondu à la question ? Je vous aviez très bien répondu aussi la première, j'ai appris des choses. Je vous remercie pour votre réponse en tout cas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Tout le monde s'est rendormi ? Ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ben je vous propose de vous laisser. Ben écoutez, j'espère que alors les résultats on les aura bientôt, ils vont encore des copies, mais vous imaginez bien que certains d'entre nous n'ont pas qu'un seul tas de copies à corriger et on est soumis à des contraintes multiples. Dès que tout sera corrigé, eh bien bien évidemment, ce sera mis en ligne sur DBUFR et rendu visible pour vous tous. Alors une dernière note, d'habitude on organise des consultations de copies. J'ai demandé à la licence comment on fait pour organiser des consultations de copies et la réponse a été que pour l'instant, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, ça veut dire qu'il faut que vous veniez tous, on ne maîtrise pas comment vous venez, etc. Et donc, du coup, ben, on ne va pas faire. Donc, je suis désolé, on ne peut pas s'amuser à scanner toutes les copies, à vous les envoyer individuellement. Enfin, je veux dire, faut que vous réalisiez que pour nous, chaque action en confinement, hein, c'est comme pour vous, on perd beaucoup de temps. Et le confinement, en plus, nous génère beaucoup d'actions supplémentaires à faire en termes de préparation de cours et puis sur nos autres activités aussi, parce qu'on ne fait pas que des cours. Et du coup, effectivement, bah, on peut pas, enfin, on ne sait pas comment faire. Donc, pour l'instant, la licence dit, ben, on n'a pas de solution à vous proposer. Et donc, voilà. Si vous avez des questions complémentaires sur le cours, sur des choses comme ça, ben, posez des questions. Alors, j'ai cru comprendre, quelqu'un a écrit que il préférait plus Discord que Moodle. Le forum, le Moodle. Forum Moodle. Alors, moi, je n'ai pas accès au Discord, mais bon, vos chargés TD ont accès au Discord, ils répondent aux questions aussi bien quoi, donc il n'y a aucun problème. N'oubliez pas ces outils, je pense que c'est important. Et encore une fois, j'insiste sur ce que j'ai dit, je ne sais pas si tout le monde était là quand je l'ai dit, les résultats moyens par rapport à un partiel normal, vous pouvez regarder, hein, parce que je publie les statistiques tous les ans, ne sont pas sensiblement différents cette année, malgré des conditions considérablement dégradées. Hein, et donc, alors bon, ce n'est pas forcément des conditions terribles pour vous, mais on est content que malgré tout, vous ayez réussi à absorber la dégradation de conditions, probablement par un surcroît de travail de votre côté. Bon, ben, je vous remercie tous. Et puis, a priori, on aura encore une séance en live à la rentrée, je crois, ou la semaine prochaine, je sais plus. Il faut que je regarde que le calendrier a bougé, hein, mais je vous informerai. La dernière séance qui sera posée, je crois qu'elle est à la rentrée. La dernière séance qui vous sera consacrée sera une séance de questions. Donc, moi, j'arrive avec rien. Et vous arrivez avec vos questions. Donc, si vous n'avez pas de questions, ben, on fait rien, mais c'est vraiment dommage parce que c'est la dernière occasion que vous aurez d'interagir avec moi, en tout cas, avant le partiel où on interagira tous ensemble, puisque je serai bien évidemment dans l'amphi. Voilà, je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end, et puis aussi, autant que faire se peut, de joyeuses fêtes. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne fête. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne fête, au revoir.